Jadis membre du défunt Front commun pour le Congo, aujourd'hui le parti appelé Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en sigle, fait partie de l'Union sacrée qui est la plateforme qui soutient les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De quelle façon l'ABG se prépare aux futures élections? Deuxième thématique, les trois provinces éclatées du Grand Bandundu, à savoir Maïndombe, Kwango Kwilu, sont en train de traverser une période de crise sécuritaire due notamment au phénomène conflit ou incompréhension Tekeyaka, suivi du phénomène Mobondo actuellement. Et enfin, nous allons chuter par la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Jean-Pierre Passisapan Babuka, qui est député national, vice-président du parti ABG, président du caucus des élus du Kwango et enfin président du réseau de parlementaires contre la corruption. C'est avec toutes ces casquettes bien exploitées qu'il va devoir éclairer toutes les questions qui constituent les menus du jour. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je vais co-animer cette émission avec Madame Mifi, ma consoeur qui est de Canalkin. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je serai encore avec Henri Nguindou, mon jeune frère, mon confrère, qui est de C24 Numérique. Bonjour Henri. Bonjour, merci à l'honorable. Honorable, on revient à vous. Vous êtes vice-président de l'ABG, un parti connu, mais pas du tout, d'entrée des jeux, fixer l'opinion. Quelle en est l'idéologie? Quelle en est la vision? Et comment s'est réalisée cette mutation du Front commun pour le Congo à l'Union sacrée? À vous la parole. Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de communier avec la population congolaise. Merci également à tous tes confrères qui ont pensé que nous puissions partager de bons moments cet avant-midi. Parler de l'ABG, Alliance pour la bonne gouvernance, un parti pas comme les autres en République démocratique du Congo. Parce que vous pouvez suivre les communs des mortels sur la dénomination des partis qui existent. Celui-ci intègre un élément qui les différencie des autres. Il s'agit bien de la gouvernance. Tous les autres mots existent partout, parce que quand je dis alliance, ça vous rappelle directement le groupe que nous devons constituer, parce que nous devons nous mettre ensemble. Et pour la bonne gouvernance, c'est au regard du constat malheureux de la mauvaise gestion du pays de tout le temps. Le mauvais comportement des citoyens congolais qui gèrent le pays et dont je fais partie. Donc, au regard de tous ces éléments-là, quand vous analysez, vous vous posez la question de savoir mais pourquoi on ne décolle pas? Et parfois on fait semblant de décoller, mais on reste toujours sur place. Et nous nous sommes posé la question, comment pouvons-nous contribuer, nous? Comment pouvons-nous apporter notre modeste contribution pour faire décoller ce pays? Et nous nous sommes dit, créons une structure où nous appelons surtout les jeunes qui doivent changer de comportement, les changements de mentalité. Un parti qui travaille sur les hommes. Parce que le vrai changement, on ne peut l'obtenir que lorsque l'homme qui doit conduire ce changement, lui-même travaille sur le valeur morale. Et parce que aujourd'hui, l'éthique fait difficulté dans notre vie. Il faut de valeurs morales. Il faut que l'on comprenne que les pays nous appartiennent,
un pays béni, un pays aux dimensions continentales, aux richesses incommensurables, mais avec la population la plus pauvre. Et l'on s'est posé la question, que pouvons-nous faire? Quelle peut être notre modeste contribution? Nous disons, créons cette structure avec comme idée maîtresse les changements de comportement des Congolais vis-à-vis d'abord de leur nation, de leur patrie, de notre pays, la République démocratique du Congo, qu'il faut commencer d'abord par aimer. Aimer la République démocratique du Congo. Vous savez, vous êtes marié, vous avez une femme. Quand vous aimez votre femme, je pense que vous faites tout pour que votre femme soit dans de bonnes conditions. Ceux qui, une fois au pouvoir, ne vont pas nourrir leur ventre, ne vont pas travailler pour des intérêts familiaux, ne vont pas travailler pour un groupe d'individus, mais qui peuvent se mettre au service de la République, au service de la nation, c'est-à-dire au service du peuple congolais. Parce qu'il y a une chanson d'ailleurs que j'ai suivie dernièrement, « Peuple Azako Senga Nini ». Azako Senga, Kolia, Komele, Kelasi, Santé. Hein, quand vous prenez ne fût-ce que ça. Et quand vous avez un gouvernement qui comprend que le budget de la République ne peut pas être consommé dans le milieu urbain, il faut qu'on aille dans le village ouvrir les routes de desserte agricole. Parce que si on ouvre ces routes de desserte agricole, on va arrêter les migrations. Au lieu que les gens quittent le village pour venir ici, au contraire, vous prenez le produit manufacturé, vous le leur apportez, et en contrepartie, ils prennent les produits agricoles, ils vous les renvoient ici, et vous n'avez pas besoin d'aller chercher du maïs ailleurs. On reviendra sur ces détails, honorable. Voilà. Très bien. Donc, vous comprenez directement que nous, ce sont les valeurs. Et les valeurs, c'est l'homme d'abord qu'il faut. Il faut travailler l'homme, ça nous retenons. Vous misez plus sur les valeurs morales. Dernier souci par rapport à cette thématique en ce qui me concerne. Vous prenez les changements de l'homme à travers les valeurs éthiques, les valeurs morales. Mais cette mutation-là, FCC Union Sacrée, c'est opéré comment? C'est le même discours que vous avez tenu sous Kabila. Non, là c'est simple. Le parti d'abord, il est dans sa cinquième année d'existence. Et le passage du FCC à l'Union Sacrée, c'est opéré en toute vitesse. Oui, c'est simple à comprendre. Si j'ai parlé de ce pays qu'il faut aimer, vous avez un président de la République dans un pays, n'est-ce pas, qui a besoin de gens avec qui il doit travailler ou de gens qui doivent soutenir son programme, son projet de société. Il est président de la République parce que le peuple congolais lui a fait confiance. Et il dit, vous qui êtes ici et là, peuple congolais, j'ai besoin de vous pour que nous puissions ensemble appliquer les programmes que j'ai mis sur pied pour procurer le bonheur au peuple congolais. Un président de la République. Parce que dans un pays, il n'y a que un président et un seul et qui fait appel à vous. Faut-il rester dans des carcans pour dire que parce que je suis dans un regroupement politique ou parce que je suis dans le front commun, et il faut abandonner le président alors qu'il lance un cri d'alarme? C'est comme maintenant là. Même si l'Est de la République aujourd'hui est agressé. Le président de la République lance un appel. Il dit, messieurs, dames, nous sommes agressés. Il faut que nous nous mettions ensemble pour faire face à l'ennemi. Faut-il encore rester dans des carcans politiques pour dire que non, moi je suis du FCC, je ne veux pas répondre à l'appel du président de la République. Il faut qu'on soit dynamique dans ce qu'on fait. Et donc, nous, si nous avons basculé, nous avons dit, il faut qu'on réponde. Parce qu'on a un président, un seul, et nous avons répondu, tout notre parti, nous sommes allés rencontrer le président de la République et nous lui avons dit, Iyo, nous allons t'accompagner. Et surtout que notre vision, c'est celle de transformer l'homme congolais pour participer
à la construction et au développement de ce pays. Très bien, honorable. La parole va tourner. L'émission est bilingue. Vous allez poursuivre les débats avec ma consoeur Mifi pour le public lingalophone. Disponible. Voilà, Matondo Mingina, honorable Passi, Pambate, au CPLI, Kouyanouana, Mitouen, le Psalm Mokolaloto, mais quand on continue à avoir Sikawa, Bokomi, na Union Sacrée, donc au Tsulobawa, les Cambodés allient comportement à moto, Oyo Binez allient à Bino Penza Motouya. Sika Toy Baba, tout ni Oyo Alliance pour la bonne gouvernance, Bozali, Nango Penza, Oyo permettre à Bino, Bozana défense, Yabaxu, un chef d'État qui est parti au Bazam Nakata Union Sacrée. Ya yambo na koyebisa yote atako mtuna wane koya sima. Pona kokoma Alliance pour la bonne gouvernance, c'est-à-dire lisanga ya bato ba ebazali komema mbongwana okati ya ekolo ya République démocratique du Congo. Makanisi wana mauta ki wapi na kotalaka lulenge bazali kokamba mboka. Mboka ezali na mibeko na yango. Mubeko ya liboso na koki kotali sayo ezali oyo nkita ya ekolo na kati ya budget. Tango basali mokanda ya budget, balobi ete tokotonga kelasi, bakelasi mil en lingala. Hein, c'est tout un problème. Hein? Bon, ça ne fait rien. Tolobi tokotonga 500 classes sur toute l'étendue de la République. Mobe comme lobby to kotonga 500 et puis to chemo solo na parlement to voter budget oyo azali mutu oyo alingi mboka na ye akosala nyonso oyo kokipote bakelasi wana esala nini etongama po ezali mobeko okokiko bima na kati ya mobeko te olo bayete to sala nanu 300 200 oyo tikali Mosolo kotina libenga ya mutu moko na esika ete batonga bakelasi pote ndakisa oye pesami awa avec la gratuité bana soki tukumine ya ba milione bauti di banda bazongi imagine pe soki bakelasi wana oye bachela ki mosolo na kati na mobeko etongwa maki eske tolingi to sana na kimia te Tala lulenge ya kolakisa bolingo ya mboka. Wane zaka andakisa moko pamba. Pona kotali sa ete. Soki ulingi mboka na yo. Boko tosa mibeko ya mboka na yo. Okosala lulenge mibeko ezaliko senga. Okotosa yango pote mboka na biso. Elongwanano na botutu boyeto zalina yango. Pote etokwa kokenda liboso. Esengeli pe kongolenyo sa ebate. Esika ye azalir. Cause ya liboso ya misère ya mboka na biso ezali ye moko congolais pote tango bache mosolo na kati na budget na mokanda na buku ya misolo balobi oyo ezali pona kotonga kelasi tango monike mutu oyo bapesi responsabilité wana asali mosala mona te yope okangi bibebo tope yo ezali ko participer na kokabola mosolo moye babongisa ki pote batonga bakelasi bino bozali kokabola yango moi liboke muke lisanga muke ya bato e bozali koloba te non l'état to saleli 200 300 tikali biso to se servir yo koloba ke vraiment oza congolais donc bolingi ya mboka ezate dans bolingi ezate ya mwana ochema boko na mosolomona pote moko akokoma mosolo na yo na place esengeli te mosolomona moko akoservir peuple congolais ya mboka bombi. Voilà, on aura la question de Boké Bignon. Parce que c'est pas et comment bongo ti mbongo ya l'état soko kutani nango lia eza ya l'état motoko sala oli kambo azalite. Wana ememinga lisusu likambo ya mbongo wana ya baye bazali ko kamba mboka. Oyebi ke tango mosolo na l'état soki mobimi barobite ezali pona kelasi. Institution na institution azali na litomba. Ya yambo oyo abimisi mosolo sima mikolo atuna mosolo wana mosali nini parlement oyo azali lisu pe litoi ya population esengeli atuna mosolo wana mosali nini babimisaki yango pote basala bakelasi 500 est-ce que 500 classe wana etongami
tango bato bazali ko sala mosala mona te ezala côté ya gouvernement ezala côté ya parlement voilà eloko ezali ko talisa biso ke bolingo bozali boke pona mboka parce que to koki ko lekate budget wana esila sans que to tuna mosolo wana mosali nini voilà tina ya alliance pour la bonne gouvernance esengeli to ke bisa mutu nyonso que tant yo okomi mokambi ya population esengeli koyeba ete biloko biye biso okuti kati na musala ezala ba voiture ezala mosolo ezala bandako ezali biloko bia population bisengeli kokoma biloko bia yo te parce que yo ba pesi yo ndingisa okumba baninga osalisa baninga bongo sima nango bangi kobeta tolo te ngai mutu nazali awa ekomi ngala na ngai bongo bazusu bazali wapi voilà maloba na ndeko Henri. Merci beaucoup de la parole. Merci à l'honorable de nous faire cet honneur d'être sous notre plateau. Est-ce que vous êtes content d'être aujourd'hui membre de l'Union sacrée pour la nation? Esengo makasi. En français, s'il vous plaît. Ah ben, écoutez, ouais, je suis fier d'être de l'Union sacrée parce que c'est un choix. Très bien. Je retiens que vous êtes fier d'être de l'Union sacrée parce que c'est un choix. Et pourtant, le discours que vous tenez aujourd'hui est le même que vous avez tenu hier en étant membre du FCC. Et sous Kabila. Mais bien sûr que oui. Tant qu'on n'a pas atteint les changements que prône l'Alliance pour la bonne gouvernance, nous allons rester constants. Parce que moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que parce que je suis de l'Union sacrée, quand les gens ne vont pas dans le sens de la demande de la population, de la volonté de la population. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis député, parce qu'il y a une population. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République aujourd'hui, parce qu'il y a une population qui vit dans un pays. Et donc, le fait d'être président de la République, le fait pour moi d'être député national, et lui, et moi, nous devons être des serviteurs de ceux pour qui nous sommes députés, de ceux pour qui il est président de la République. Et donc, dans le cadre de l'exécution de nos missions, chacun doit être attentif et doit savoir les missions qui sont les siennes pour que la population trouve son compte. Donc, je ne veux pas modifier de discours tant que la population n'a pas encore trouvé son compte. Très bien, il est constant. Il est constant. Vous parlez de dynamisme, ouais. N'est-ce pas, en tant que politique. Êtes-vous celui qui ait mieux compris cette notion de dynamisme politique à l'instar du feu Tshisekedi? Écoutez, quand je vous parle du dynamisme, surtout je suis parti du FCC vers l'Union sacrée. Une transhumance politique. En répondant à l'appel du président de la République. Même si ça frise la transhumance. Voilà. Vous pouvez qualifier ça comme vous voulez. C'est un choix. Pour moi, c'est le résultat qui compte. Ah, ok. Le résultat, c'est lequel? La solution au problème du peuple congolais. Aujourd'hui, la paix est devenue une denrée rare en République démocratique du Congo. Parce que quand vous pensez à nos frères de l'Est, qui sont aujourd'hui sous la bannière du Rwanda, tout nationaliste, tout patriote aujourd'hui doit toujours avoir une pensée pieuse par rapport à nos frères qui sont là-bas. Et tout le monde doit réfléchir en fonction des moyens, que ce soit des moyens matériels, des moyens psychiques, des moyens philosophiques, des moyens, tout ce qui peut permettre à ce que nous puissions recouvrer l'intégrité du territoire national. Et ça, c'est la première préoccupation. À marge de cette préoccupation, les gens doivent manger, les gens doivent aller à l'école, les enfants doivent étudier, les soins de santé. Et tous ces projets que le président de la République a annoncés, n'est-ce pas? La gratuité même de l'enseignement, la gratuité des soins de santé, la gratuité. Il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont dans les sillages, en principe,
s'ils sont sérieux, chacun devait noter, quand le président de la République parle de soins de santé, celui qui s'occupe de la santé doit intérioriser. Et celui qui de l'EPST doit intérioriser. Donc chacun, là où il est, il doit s'assumer. Quand il ne s'assume pas, eh ben, on a 80 millions de Congolais ou 100 millions, balancez-les et on met quelqu'un d'autre qui contribue. On va évoluer, honorable Jean-Pierre. Oui, je suis là. Vous estimez que la gouvernance, cette théorie, fait partie des éléments distinctifs de votre parti politique, ABG. Je dois vous rappeler que Matata Mponyo est un parti politique, LGD, Leadership pour la gouvernance et le développement, ce qui revient à dire que la gouvernance ne devrait pas être un élément distinctif pour vous. Pour aller dans le même sens, le ministre Mutinga, son parti, c'est le parti des démocrates pour la bonne gouvernance. Donc la notion de bonne gouvernance n'est pas le monopole de l'ABG. Non, vous comprenez, quand vous suivez l'historique de ce parti, vous verrez que l'ABG a commencé et les autres sont en train de... Tout à fait. Mais laissez-moi. Vous pouvez vérifier la naissance de ce parti. Vous verrez que l'ABG a inoculé dans les circuits politiques de la République démocratique du Congo le mot gouvernance que nous ne voulons pas qu'il soit théorique, mais nous voulons maintenant le matérialiser. On revient par rapport à la naissance de l'ABG. Il y a 5 ans. Oui. Cela voudrait dire que l'ABG est né dans cette vague des partis politiques. Je tiens bien à mes mots, circonstanciel, éphémère, à la quête du ventre facile, vers la fin du régime Kabila, estimant que Kabila pouvait, n'est-ce pas, être candidat. Et cela n'a pas été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez fier à l'égard de vos anciens camarades du FCC? Non, malheureusement, cette analyse peut me paraître erronée parce que l'ABG n'est pas née dans ces circonstances. Les 5 ans Non. Calcul facile, c'est oui, que c'est 2000, vers la fin du mandat. Non, 2000, c'est depuis... Mais vous avez reconnu avoir... Oui, 5 ans. Plus ou moins, c'est 2017. Ce sont vos propres mots. 2017, d'accord. Donc, c'est dans le crépuscule du règne de Kabila. Lui, l'ABG est né du fait tout simplement du constat. Parce que moi, j'étais dans une famille politique, dans un parti politique, où je constate que mes objectifs, ce qui m'a poussé à faire la politique, n'est pas ce que je suis en train d'observer. Et en tant que citoyen libre, je dis, mais on peut lancer un autre mouvement aujourd'hui qui peut réveiller le peuple congolais de son sommeil profond. C'est celui du changement de mentalité. C'est celui de la prise de conscience. Et il faut trouver un canal par lequel on peut responsabiliser tout citoyen congolais vis-à-vis de sa nation, vis-à-vis de sa patrie. Et donc, nous ne sommes pas dans la vague, parce que depuis que nous sommes là, de toutes les façons, ce n'est pas le pouvoir qui importe, hein, parce qu'on procède à des nominations. Vous pensez que nous manquons de compétences pour être ministre, pour être directeur général, pour être où nous devons être? Mais est-ce que vous, depuis qu'on met le gouvernement en place, vous avez déjà entendu parler de l'ABG revendiquer quoi que ce soit auprès de qui que ce soit? Le plus important pour nous, c'est de travailler avec la population, parce que dans les jours à venir, l'ABG rêve de mettre son plan en pratique, en prenant bien sûr les commandes. Vous allez prendre les commandes, honorables, la parole va retourner, je la reprends. Processus électoral en marche, oui. On est juste après l'audit du fichier électoral. On a constaté des manifestations de l'opposition qui boudent la fiabilité de ces fichiers. Bientôt, vous, au Parlement, vous allez aborder la question de la répartition des sièges. Dans toute cette mouvance-là, comment se prépare l'ABG, membre de l'Union Sacrée actuellement? En tant que d'abord membre de l'Union Sacrée, nous pensons que les textes existent. Parce que quand vous suivez nos frères qui sont en train de revendiquer, ils savent ce qu'ils sont en train de revendiquer. Et nous, nous parlons de la bonne gouvernance. Et ils parlent des élections transparentes. Y a-t-il de l'opposition? Tout ce qui est important pour l'instant, on exige des élections dans les délais constitutionnels. Et nous, nous disons qu'on organise ces élections dans les délais constitutionnels. Pour ce qui est du fichier et tout ça, qui doit vouloir, par exemple, dans ce pays, qu'après les élections, qu'on se retrouve encore dans la rue?
il faut plutôt consolider les institutions qui seront issues de ces élections pour que l'on remette le peuple congolais au travail, rien que le travail. Et donc, pour l'instant, les manifestations, elles sont démocratiques. Elles sont aussi légitimes parce que la Constitution les reconnaît. Tout ce qu'il faut, ceux qui gèrent, qu'ils tiennent compte des revendications si elles sont fondées. Mais c'est vous, Union Sacrée. C'est vous, Union Sacrée. Mais c'est ce que nous disons. Nous, tout simplement, pour l'instant, nous savons que la tâche électorale ne peut pas être exercée par n'importe qui. On l'a confiée à des professionnels. Et donc, nous faisons confiance à ces professionnels qui doivent stabiliser la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de dialogue ou de quoi que ce soit. Tout le monde doit s'impliquer. C'est lui qui aime le Congo. Parce que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le pays est agressé. Ici, devant nous, il y a encore un embrouillon avec le désordre, les problèmes sécuritaires de Mibondo et tous les autres. Nous devons avoir des institutions fortes que nous mettrons en place après les élections. Et celles qui sont là, qui sont déjà des institutions légitimes et légales, qui doivent exercer le pouvoir pour que nous puissions avoir la paix, pour qu'on améliore la gouvernance et qu'on puisse résoudre. Je vous dis, dans tout ce que nous dirons autour de cette table, si la population n'est pas concernée, alors nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien, mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Comment l'ABG se prépare à... L'ABG, elle est sur terrain et elle se prépare pour qu'elle puisse se présenter en ordre utile et qu'on obtienne exactement ce que nous sommes en train de rechercher, c'est-à-dire... Dans le sens d'accorder un deuxième mandat au président de la République. Dans les institutions de la République, où nous serons appelés à appliquer les statuts de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Parce que nous avons un projet de société de la transformation. D'ailleurs, les informaticiens utilisent le terme formaté. Okay. Où nous devons formater l'homme congolais pour qu'il puisse aimer son pays, les servir et les conduire vers le développement. Très bien, donc l'ABG est prête pour les élections de 2023, à tous les niveaux. Sauf à la présidence de la République, où nous soutenons la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Processus électoral, Maman Mifi, Moutounanayo. Voilà, Toutounanayo, Sikawa, honorable Jean-Pierre. Est-ce que la Liro Marambozo qui est indépendant? Bino Mobandi était Union Sacrée, Bokopé Sapenta, chef de l'État, majorité, Penta écrasante. Bien. Est-ce que les Kambouana, ils allaient Kamouyandoto? Ou bien ils allaient Kamouzali pour vivre Yango, Yomoko Dengo Zali Komon? Naebi était Motema Yamoutou, Moyon Kotakuna Nakati, ils allaient. Mais na Oye Itali, Alliance pour la bonne gouvernance. Vous voyez dans le drapeau là, quand le coq a chanté, cela signifie que tout le monde doit se réveiller. Et quand on se réveille, on doit se mettre au travail. Et pour le moment, le travail sera réglementé après 2023 par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous accordons toute la crédibilité. Confiance n'y est pas dans la population. Nous avons souffert la cause de la Union Sacrée de ce deuxième mandat. Bien, mais pour l'instant, moi, en tant que alliance, Balandi. Pour français, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Donc, dans le bien la population, je sais que ma maman est ma maman, mais na kotalaka bilembo, biebizali kope sa malelo, na basinio et ezali kope sa malelo. Netingaye, j'étais très enthousiasmé na koyoka gate Rwanda. Azali ko agresser République démocratique du Congo. Nakotala ka ete bana banso. Basengeli su ko vanda na ndabote.
il faut moi na nyonso ce qui a botami na République démocratique du Congo et sengeli ayeba kotanga et sengeli ayeba kokoma na kotalaka e bandeli atako ata eloko na salamite na kotalaka lolenge ya kozonga na mboka kokabola mbongo ya budget et que ndeti na lolenge ya 145 territoires ba ide wana kobundi sakanyaka atako kanyaka ngo ezali kokoma makasi lolenge ya kobimisa maloba mana bisika bato bazali kosala mosala ke kanyaka ezali eloko ebe bosengeli kosala la yango te yango na mituna na bino ya sima na kopesa lolenge nini bakoki baye bazali kosala mosala na kati ya gouvernement to na parlement na ba institution mususu lolenge nini bakoki kosalisa mokambi ya mboka oyo alobi te ngai na kobundisa kanyaka c'est-à-dire bito bebandi contre ye moko contre ba institution nyonso po te biso banso tolata etumba wana ezala ya président de la république te mais ezala ya mutu na mutu yo esika ozali ngai pe esika ozali biso banso bisika tozali okomona te mboka na biso ekosala nini ekotombwama malobe pa na yo mama mibi en tout cas n'aura bien pas ça pamba ezali kambu ya pasi na motema kota la population des gars ils passent pe na zali ya voilà pasi makasi pe dire comme ko bank sana ba Kinshasa même kota la ndenge zo yela mo pepe ne zali ko yela sika wana zo nga penza ba teke na ba yaka ba vandi uto kala likambo ezala kite et comme on ezo pe sa population trouble ba ye ba ba comprendre nini ebomba miana yo le bite na le poto wa ezali na main noire te ezo senga des services intelligents ba ye bazali kolanda yo ba yo kana na bozi do po motu pasi po na ngai likambo litali conflit ena esengeli te ba bianga yango conflit teke yaka wana ezali ba distraction wana ezali ko détourner opinion ko koluka kobungisa mayele ya baye basengeli kosala musala pote kimia ezonga okati ya bikolo bina kuna na kwa mutu explication bapesaka biso na likambo litali conflit teke yaka donc pour mes frères bateke moyaka ezali o mutu oyo azali mutekete donc ezala muchoko ezala mupende ezala muyansi ezala mumbala du fait que oza mutekete oza muyaka bana banso babengi bango bayaka la démonstration c'est que tango babimi lo ya liboso ebimi na bachongo tango bakei 60% ya population nyonso to etendeki na kwil pour vous rendre à l'évidence bango nyonso to balekani bake na kwil alors que le bayaka reste dans le kwango. C'est pour démontrer l'importance ya likamulie bazali ko bianga conflit tek non c'est pas un conflit tek yaka atako ezalaki likamoya ba redevance moi pakou oyo ba singeli ko futa uto kala parce que ezana batu basusu oyo balongwa bipai na bango ezana kwango ezana kwilo ezana kasai ezala wapi 50 ans 60 ans ba ebisu ba mboka na bango te babali babalani bango na bango kuna basali ba famille bolero lo banayeke longana mabele oyo akende akokende bipayi wapi c'est pour cette raison bato ba mayele ba ebazali na ba service oyo to biangi aner na ba service esusu etalaka makambo ya sécurité ya kimia ya mboka na biso bango nde bafungola miso batala wapi epai bateke bazali wapi epai baye bazali kobianga bayaka atako bazali tribi yaka te ezali batribi eye nyonso oyo ezalaki na plateau ya bateke bayeba sombele suka lisala bayeba likambo ango liwuti wapi boye nde bakoyeba kosilisa likambo lina baye bazali kobianga o ba main noire na lopoto soki nini babiange te baye bazali kopesa bandeko na biso bateke mosolo mosolo koleka oyo bapesa bango liboso na ba resident ya mabele wana il faut bayeba bango bazali kosomba 1000 hectares 5000 hectares 8000 hectares te mobeko ya mboka ezali koloba le sol et les sous-sols ezali ya l'état et donc l'état yemoko a récupéré likambo lina
baye bazali kozwa misolo mina soki bazali kozwa yango wapi esengeli peto luka misolo wana mizali kohuta wapi oyo basengeli bazwa ba fermier tango bakosomba ba ferme wana nyoso tu bana baye bazali kobota makuna na plateau lobi bakokenda donc ezali kambo baluka baluka pote basil nuki nuki le kambwana lizali molaite le kambya kokosa ba politicien o ba main noir wana bandaka la pa nini bazoko kokomisa ngo pembe te voilà honorable apnac de jeme minini na marabu etali corruption na na mboka ekolo Congo démocratique kota ki détournement penze ezali de part et d'autre et loko ya yambo na koyebisa yo liboso kala pote o yo kali kambo ya kanyaka na micro ya radio na micro ya télévision au moins après bato babani ko solama solo ya kanyaka liboso ezalaki te po bato bazalaki na bobangi po balobi me soki bayoki soki basali boyo ya mibale na moyi na lelo mutu na mutu ezala yo journaliste ezala ngai député ezala bandeko ba etosa na bango na plateau ezala baye bazali ko landa biso mutu na mutu lelo azali ko banga soki ayoki te IGF à Télémi. Et biso en tant que parlementaire, yaya motoloba ki poto sunga bobundisi bwakanyaka et sengeli to bongo la mibeko parce que bazous mi colonion so bazali ko yebisa yo akuna bazali trafic d'influence akuna bazali ko bianga akuna balobi mi makambo mana manso na kati ya mobeko tokoti si yango tango zous ba pesi ye dossier ke oyo asali kanyaka. Ce qui m'a bengé na téléphone, mutuana pe azali corrupteur et sengeli pe bakangai. O moni ndenge to bongoli mibeko. De telle manière que mutuna mutaye bake, tango azali ko sa msala, azana salaire ne ya $1,000, kuna bazoko proposer 5,000 à réfléchir nan mbalai balé yambo a poser acte. O moni to sali mubeko moko contraignant, mais mubeko ango kino lelo nan mosilité. To zali ko bunda kuna na parlement pote balek sa yango kuna na commission PAJ pe basil sa yango pete pote eko akosunga parce que yambo muto asala likambo ami tuna mbalai bale peto bimisi buku enene buku wana bazali ko bianga yango recueil na lopoto recueil des instruments juridiques de lutte contre la corruption. C'est-à-dire mukanda moyi mozali ko reprendre mibeko ya mokili mobimba mibeko miasika mie mitali ko bundisa kanyaka. C'est-à-dire tokoti kuna na kati likambo ya convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, makambo ya convention ya Union Africaine ya lutte contre la corruption, makambo ya protocole ya SADC pe mibeko mie mizali kosunga mokili mobimba na lolenge ya kobundisa kanyaka ezali mana mayele mazali kouta na lisanga ya bantoma baye bazali kobundisa yango ndi mami deja mibeko tokotala lolenge mobeko mokobima parce que na plénière bayambaki mobeko moye to proposition et maboko mibale etikali sikawa kuna na lolenge ya kobongisa elobeli to ekomeli na ba commission bongo sima soki ebimi président de la république akotya manzaka na likambo litali moyibi yena na kopesa solution ya mukuse ya mbwatu na nga mutuna bandeko baye bazali koloba na Lingala oyebi mpona kosilisa kanyaka na sali proposition obe moko ezali etumbu oyo babiangi sanction. Tant que bazous bazali kopé sa sanction te voilà. Kanyaka moyen si la ezali te pas nde yango sika etumbu c'est-à-dire ezali ba théâtre te neto to zali komona na mboka na biso na tongo balobi songolo pakala ayibi 10 millions brr na fourgonnette ba memie lobi kuna 2-3 jours après ye wana aniki ba veste na ye azoko tambola eza yango te akotela bimi abeli wana ezali kobundisa kanyaka te biso na mikanda na mibeko kobundisa kanyaka elingi koloba nini bafundi ye bazusu baye bakonstate effectivement abendi mwa lokoto malamu kobenda yango tango abendi lokoto soki bazusu balobi ke ya solo abendi bazwi ye papa
Tali sabiso nano oyo nano olete ezali wapi ko récupérer moi mon solo wana bato baso ba monique azwaki 10 millions to récupérer nano 6 millions na banque centrale wo e koti kuna sima nango batunie bongo ndambo etikali ezali wapi. Oh boye boye batali ba koti na patrimoine na ye voilà biloko ba kuna batali biloko nini oyo azali na yango. Ah bino asomba lupango ezala kanda numéro tel quand okuna moi mutuka quand okuna moi superficie à 10 hectares ba biloko wana biso batangisi batali non oyo pesi kaka 2 millions etikali susu 2 millions yambo ola kisabiso 2 millions et etikali kende kope manano kuna nan bozwa moi pongi muke otali sabiso 2 millions wana ezali wa soki basaleli yango bato mibale to misato to mine bae batikali okomona ke na mboko yo kanyaka ekosila kanyaka ekosila nde ko Henri. Monsieur le président du réseau parlementaire contre la corruption, je constate que l'opposition était dans la rue afin de manifester contre la vie chère, la misère, ce qui pose un sérieux problème entre les contrastes de notre budget. Vous êtes au courant du budget de notre pays. Et il est de la commission ECOFIN. Voilà. Est-ce que le budget que nous avons est-il réaliste? Est-ce que les indicateurs qui nous montrent aujourd'hui les budgets sont-ils des indicateurs corrompus? Je dois vous dire que là, vous touchez vraiment un problème qui mérite une émission élaborée où nous pouvons revenir sur les finances publiques en République démocratique du Congo. Mais par rapport à votre question, je dois souligner que dans mon pays, le budget n'est pas correctement exécuté. Et je donne ma main à couper. Parce que c'est une loi. Et une loi doit être exécutée. Vous savez que lorsque nous parlons du budget, ce sont des prévisions. Ce sont des estimations. Nous disons, nous allons atteindre 16 milliards de dollars. C'est-à-dire, le gouvernement est dans l'obligation du fait que ces estimations sont passées par le Parlement et coulées sous forme de loi, promulguées par le président de la République. Et donc, il y a obligation d'exécuter le budget. Mm-hmm. Mais malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est toute une matière, et ce qui fait que la population ne se retrouve pas à travers ce qui est fait. Et si on se mettait à exécuter le budget tel qu'il est voté au Parlement et promulgué par le peuple, le président de la République, le peuple trouvera son compte. Le peuple trouvera son compte, c'est sur cette phrase que nous mettons fin à ce magazine. Merci beaucoup Jean-Pierre Passisapambabouka d'avoir répondu à notre invitation et éclairé la religion du public par rapport à toutes ces trois questions que nous vous avons posées. Merci également Henri et Mifi qui m'ont accompagné dans la co-présentation de cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, ce numéro s'arrête par ici. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes et à la prochaine.